Ça fait partie des incontournables, le Madison enflamme les pistes de danse. Et évidemment, celle de la guinguette nouvelle de Saint-Avertin n'y échappe pas. 2010 marque donc le retour de la guinguette en ces lieux. Cela n'était pas arrivé depuis la dernière en date après-guerre. Ben, je crois que c'est un retour, chacun aime s'amuser de manière tranquille. On est ici au bord de l'eau, on est à Londres, il fait beau. C'est en plus un concept qui a été fait par Michel Gressier, un très bel artiste tourangeau. On a fait des conteneurs en Lego et je crois que c'est quelque chose de ludique, d'un peu moderne. Eh bien, comme disent certains jeunes, ça fait tendance et en même temps, ça a le côté rétro. Donc les deux plaisent bien. Pour animer les lieux du vendredi au dimanche de 16h à 20h, la mairie fait appel au collectif associatif Multiprise qui réunit 5 associations tourangelles, la Saugrenue, la Compagnie D, Terre du Son, les Tontons Filmeurs ou encore la Smala. L'idée avec la guinguette de Saint-Ave, c'est de permettre de créer un petit laboratoire où on peut tous s'exprimer, on a des compétences différentes. Il y en a, ils sont plus branchés théâtre, plus musique. Et l'idée, c'est à nous tous de pouvoir proposer différentes prestations et différents spectacles sur la guinguette qu'ils ont appelée la guinguette nouvelle. L'idée, c'était justement de faire évoluer un peu le concept avec reprendre la guinguette qui était historiquement, il y avait quelque chose déjà ici. Et là, de rajouter du théâtre, des groupes musicaux plus actuels et de mélanger, faire un petit mix-up de ça. Résultat, depuis son ouverture, la guinguette au pied du port prend son envol et les guincheurs en redemandent. Très bien pour s'amuser. Regardez les dames comme elles sont heureuses là de danser. Ouais. Tout le monde est content là. Ça va attirer du monde. Ça va attirer du monde. Ouais. C'est bien. C'est chouette les petits endroits comme ça, puis il y a un cadre qui est superbe. Hein. En tout cas, la municipalité nous l'a assuré, Port Avertin, la guinguette nouvelle, n'est pas près de s'éteindre. Y-M-C-A.